Nous sommes donc le 4 mai, en anglais May the 4th, ce qui vous rappelle peut-être le début d'une réplique célèbre. May the Force be with you, que la force soit avec vous. Réplique de la saga culte Star Wars, qui est donc désormais célébrée par les fans du monde entier chaque 4 mai de l'année. Et des fans qui vont parfois loin dans leur passion. C'est un sujet signé Grégoire Gendre. Que la force soit avec vous, Luke, je suis ton père. Ces citations cultes ont traversé les générations, mais sont bien restées intactes. Trois trilogies qui marquent trois générations de passionnés. Et bien plus qu'une série de films, Star Wars bénéficie de tout un univers créé par ses fans. En ce jour de Star Wars Day, Mathieu Dénin, grand passionné de la saga, nous parle de sa collection. Je collectionne aussi quelques casques, par exemple le casque de Dark Vador ou de Luke Skywalker. Les Lego Star Wars, sous la forme de maquettes et exposées dans des vitrines. Puis j'ai également en ma possession quelques sabres laser. Des sabres laser qui ont dorénavant une utilité. Les duels de Dark Vador et Luke Skywalker sont devenus un sport reconnu par la Fédération Française d'Escrime. Loin du jouet pour enfants, le combat de sabres laser est devenu une discipline à part entière avec ses règles, ses principes et son accoutrement. Un sport très sérieux pour Mathieu Dénin, également maître d'armes en sabre laser. Aux alentours de 2014-2015, j'ai commencé à proposer des cours de combat chorégraphiés au sabre laser. Donc chorégraphié, c'est-à-dire que le but, c'est soit de reproduire des combats qu'on a pu voir dans les films, ou bien de créer carrément son propre combat. Tous les coups vont être prévus à l'avance, un petit peu comme une chorégraphie de danse par exemple. Ça peut être avec des dialogues, une mise en scène. De belles prestations artistiques donc, mais toujours pas la force du Jedi pour ses passionnés. Je suis ton père. Et un nouveau film de la franchise Star Wars devrait sortir en salle en 2023.